Et salut YouTube! On se retrouve pour de nouvelles invocations aujourd'hui pour Deia. On va invoquer un max de Deia pour les viewers et on va commencer avec Vovoinus. D'ailleurs, on est toujours en live sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps, le lien est en description. Notre objectif, c'est Deia plus son arme. On a plus de 270 vœux là. Qu'est-ce que... Regardez-moi ça. On a tous les vœux possibles pour la reine. On est en 50-50 et 49 de pitié sur la bannière de personnage. Peut-être qu'on va faire une multi et qu'on va l'avoir. Let's go! Oh là là, j'espère avoir un maximum de Barbara. Ouais. Ah, les Barbara là. Bon, on a eu Bennett C32. Nice. Allez, une autre multi. On va être à 69. Assez. Aïe. Barbara n'était pas à 6. Let's go! Eh, moi, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir une Barbara, là. Regardez. Ensuite, voilà notre 5 étoiles qui va évidemment être Bennett. Let's go, les potes. Ok, on va arrêter de faire ça. Bon, Bennett. Bon, pour faire pas mal de dégâts avec Deia, il nous faut Bennett. Donc, je pense que c'est un bon signe. Surtout que Bennett C6, oh, c'est jouable avec Deia. Allez, c'est quelques dégâts en plus. Mais non, 2 5 étoiles dans la même multi-chat. Une dinguerie. Mais est-ce qu'on va avoir notre premier... Non, on va... J'ai pas envie de dire que Deia est 4 étoiles après, on va encore m'insulter. Mais bref, elle est bien Deia. Elle est bien. Et justement, elle va être juste derrière. Moi, je veux voir un épéiste à deux mains. Pyro. Ouais, bien sûr. C'est Deia qu'on va avoir. C'est Deia. Épéiste à deux mains, Pyro. Collègue, tu m'as fait très peur. Je me disais, c'est quoi ce splash-up? Épéiste à deux mains, Pyro. Il n'en existe qu'un seul. Let's go! Il n'en existe qu'un seul et c'est Deia, mesdames et messieurs. Bon, ça aurait pu être marrant s'il y avait Diluc derrière, mais Théma, cette multi avec 3, 5 étoiles. Exactement, 3, 5 étoiles. Deia, double Bennett. Parfait. Certains diraient 2, 4 étoiles, 2, 5... Non. C'est des gens aigris. Maintenant, il faut son arme. Même si vous n'avez pas Deia, en vrai, l'arme est super bien. Son passif est génial. Donc, let's go, on va pas perdre de temps. On est à 10 de pity sur cette bannière. Donc là, on va passer à 20. Oh, trinqueur des impasses dès la première multi. On est d'accord, on a la balise, c'est parfait. Allez, 30. 30 invoques. Pas de early. Passé. Une Rosaria. Eh, Rosaria qui n'était pas assez 6. Très bien. 4. Bon, on va aller jusqu'à la pitié, mais comme avec la bannière de... Enfin, comme avec Deia. Hello. Good luck pour les invoques. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Merci Skyward pour le 16e mois de sub. Grâce à ton 16e mois de sub, eh bien, après cette multi, on va avoir le 5 étoiles. Mais non, est-ce pas donc rituel? Ce ne serait quand même pas dingue. Du coup, let's go pour la collègue, qui n'est même pas sur sa bannière, là. Mince. Bon, finalement, Skyward, tu nous auras pas porté bonheur, mais j'ai apprécié le sub. Du coup, on va avoir le 5 étoiles ici. Les gens critiquent Deia. Les gens critiquent beaucoup trop Deia. Ce que je peux comprendre, le kit est vraiment... Voilà. Mais si on est fidèle à Deia, on nous donne son arme et le personnage instantanément, en une seule pitié. Et c'est ce qui va se passer. Vovoinus a envie de se faire marcher dessus par Deia. Mais il faut qu'elle ait son épée pour pouvoir lui marcher dessus. Donc, vu qu'il respecte Deia et qu'il veut se faire marcher dessus, eh bien, on va avoir son arme! On va avoir son arme, instantanément. On n'a même pas tapé... Allez, un Razor. Tout va bien. Et c'est une constelle de Razor. Dédicace à Maddy, évidemment. On n'a même pas puisé dans les 33 000 primos. On a pris les vœux et c'est terminé. GG l'homme fast de retour exact. Voilà, on a eu le personnage, on a eu l'arme, on se casse, c'est emballé, c'est pesé, on passe à la personne suivante. Là, c'est au tour de Indy qui veut Deia et peut-être son arme. On va essayer de faire comme avec Vovoinus. On va faire... Alors, j'ai pas fait gaffe. On est en 50-50 et on est à 0 de pity. D'accord, donc là on va être à 10. Une Shinobu ! Ouais, Shinobu c'est très bien. 2, pas de prédiction ? Ah, j'ai été trop rapide. Si les modérateurs peuvent mettre une prédiction. Non, même pas en deux multi. Eh, tu n'as même pas Barbara C6. Tu n'as même pas Colei C6. On t'apporte des constelles. C'est ça qu'on veut. 3 multi. Passé. Ah, Bennett par contre était C6. Allez, 4e multi. Ah, pas de early, mais... Bon, on peut se permettre d'aller à la pitié si on gagne tous les 50-50. Oh! Eh...
5 multi. On n'a pas été à l'appétit. C'est plutôt tôt. Hein? C'est tôt. Donc, on se concentre bien. On essaye d'imaginer la scène. Indy veut se faire marcher dessus par Deya. Même non, j'ai découvert apparemment un nouveau kink de la communauté qui veut se faire... qui veut se prendre des patates de la part de Deya. Aussi, grâce au trailer. Donc on va essayer d'imaginer cette scène et ça va nous permettre d'augmenter les chances d'obtenir Deya dans cette multi. Ok, donc Indy se prend des patates de Deya, se fait marcher dessus aussi juste après et... Et voilà! La technique secrète, chat. La technique secrète pour avoir votre Deya. On gagne tous les 50-50. Oh, regardez comme elle est belle. Indy a dit, go les armes. Donc, go les armes. On a la balise. Ok. On fait une multi. Alors, j'ai pas fait gaffe. On est à combien de pitié? Ok. On fait une multi. On a une Rosa. Qui n'était pas ici, c'est parfait. Apparemment, on a zéro. Alors, soit il n'a pas invoqué depuis longtemps, soit je ne sais pas. Allez, deux. Deux multi jusqu'à 5 stars et on stoppe même si c'est pas celle de Deya. Ok, ça je veux bien. Honnêtement, cette bannière d'armes, elle est cool. Les deux armes 5 étoiles mises en avant sont cool. Peuvent être utiles pour beaucoup de personnages. Donc, tentez... Alors, focus une arme, je suis pas un grand fan. Mais allez jusqu'à 5 étoiles pour voir ce que tu auras. C'est comme la bannière de Oma et Simulacrodo. Pour moi, ça vaut le coup d'être tenté. C'est pas une bannière où tu peux tomber sur une arme qui te shafte totalement. Alors, les armes perma, évidemment... je sais plus comment s'appelle cette arme. Mais elle est là. Je me souviens plus du tout. Et voilà. On réimagine la scène. Chat, on réimagine la scène. Je ne sais même plus parler. Indy se prend des patates de Deya. Et se fait marcher dessus juste après puisqu'il est KO. Ça va nous permettre d'avoir l'arme de Deya. Ici. Alors c'est une épée à deux mains. Bon... Alors là, non mais cette multi elle est juste là pour me contredire parce que j'étais là, ah oh bah peu importe si tu tombes sur l'arme de Sinnoh ou Deya, c'est bien. Ah bah on va te faire tomber sur aucune des deux armes. Après c'est mort du loup. La mort du loup elle est OK. Elle est OK. Elle est sympa. Une autre arme. Elle est nouvelle. C'est ta première mort du loup. C'est déjà ça de prix. Malheureusement, on ne partira pas avec une des deux armes. Mais pas grave, c'est ça de prix, ok? On va se contenter de ça. C'est déjà très bien. Bon, Indy est joueur. On va tenter. Je sais pas... Bon, je pense pas qu'on ait assez pour faire une pitié. Mais allez. L'une des deux armes. Oh, éclaireur des impasses. Premier du nom. Let's go. Retente. Deuxième multi. Pas de back-to-back. Troisième multi. On va aller à la pitié. Oh, Yanfei, un fléau du dragon. 4. 5. Bon, la dernière va... Ok, 5. 5. Ça va. Une yao yao. Allez. Bon, là, on sait que peu importe l'arme, c'est une bonne arme. Mais si on peut avoir celle de Deya, honnêtement... honnêtement, ça peut être un petit plus, tu vois. Elle est très bien, même quand tu ne veux plus la jouer sur Deya, elle est bien. Là par contre, je vois un petit peu trop de lances et j'ai vu un lancier au début de la multi, donc ça... ça me fait très très peur. Ça me fait très très peur. Oh non, encore des lances. Mais en fait, il faut qu'il y ait un bon ratio, tu vois. Il y a trop de lances dans cette multi, ce qui veut dire qu'on va avoir l'épée à deux mains juste après ce lance-pierre, juste après cet arc du corbeau. C'est une bonne arme. Vous savez quoi, c'est une bonne arme. On va pas se plaindre. Ouais, en plus, c'est la première Yao Yao. Comme ça, tu vas pouvoir mettre le bâton des sables sur Yao Yao. Ah, c'est parfait. On avait tout prévu. Je vous l'avais dit, hein, c'est un signe. Le lancier au début de la multi, c'était tellement un signe. Malheureusement, on n'aura pas eu l'arme. On fait la dernière multi, peut-être le back-to-back. Peut-être. Voyons voir. Ouais, non. Ça aurait pu être trop beau pour être vrai. Allez, je te repasse ton compte. Merci à toi de m'avoir laissé invoquer dessus. Maintenant, on passe à la prochaine personne. Alors, là, on a 500 000. Combien ? On a 500 000 primogèmes. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 514 000 primogèmes. On va absolument pas toutes les utiliser, puisque je pense qu'on peut faire plusieurs C6 avec autant de primogèmes. C'est beaucoup. Donc, l'objectif, c'est Deya plus armes. Donc, on va s'assurer les deux. Et après, on continue
jusqu'à perdre un 50-50. Donc, si par exemple, après avoir eu Deia C0, on a direct une Mona, on arrête. On arrête. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc, on est en 50-50. On est en 50-50 à 0 de pity. Allez, c'est parti. On commence. Hein. On commence. Ça peut être peut-être long. Alors, ça peut être aussi rapide. Imaginez, on perd notre premier 50-50. On fera rien de plus. Allez, 3. On est joueur ici. Et bien sûr, du coup, on est sur le compte du grand couturier. Ceux qui sont sur YouTube. Le grand couturier qui nous laisse invoquer sur ce compte spécial. On va dire spécial, puisque là, ça fait... Je crois que je n'ai jamais vu autant de primogèmes de ma vie. Et j'ai déjà vu des comptes de Whale. Là, c'est extraordinairement haut. Je dois vous avouer. Je ne sais même pas à combien on est. Allez, je crois qu'on est à 6 ou 7. Là, c'est le 5 étoiles. Là, c'est le 5 étoiles. Allez. Bah, la technique, le grand couturier se fait marcher dessus par Deia, se prend même des patates de Deia. Ok, c'est bon, on l'a imaginé. Ah, du coup, on arrête les invoques. Bon, d'abord, on chope Deia. Et voilà, c'est d'une fin de tournée. Non, c'est pour les constelles. D'abord, voilà, on aura Deia. Allez, on fait la multi. Oh là là. C'est un perso de Sumeru, hein. Exactement. On n'était pas si loin. Elle a changé, Deia, non? Bah, il y a toujours des oreilles d'animal. Même si les oreilles de Deia sont... C'est pas du tout ses oreilles, c'est comme Ketching. Vous voyez qu'elle a des oreilles ici et qu'elle a des fausses oreilles là. C'est une fausse Neko. Alors, je sais pas, c'est un style dans Teyvat. Genre, il y a des personnages qui se disent « Oh, tiens, ça peut être sympa si je me faisais des sortes d'oreilles avec mes cheveux. » C'est la mode. Bon, par contre, on va aller jusqu'à la pitié. Hein. Moi, je suis très connaisseur des pitiés sur ce jeu. Hein. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. L'arme de Sino passe pour Utao. Oui, c'est sa seconde meilleure arme. Ah bah, après, à un moment, j'ai quand même pas raté Deia. J'ai quand même pas raté Deia dans mes invoques, là. Ah, voilà. Ouais, c'est loin. Hein. Là, c'est... Voilà. Ça se trouve, on est à plus de 80. J'ai même pas fait gaffe. C'est bon, elle est là. Back to back. Back to back. On finit la multi. Elle est dedans. C'est Collei. Mais elle est dedans. Elle est dedans. On a encore Collei. Mais elle est dedans. On a enfin Collei C6. Collei n'était pas C6. Incroyable. Maintenant, il faut avoir l'arme. Alors, je vais très vite, puisque là, il y a peut-être beaucoup de choses à faire ici. Hein. Make it double. Donc, c'est parti. S'il te plaît, évitez. Le jeu, évite de nous le chat. J'ai pas regardé la pitié, encore. On est à... Alors là, on a fait 10. Ok, on est à 17 invocations. Là, on va être à 27. Juste une pitié. On ne veut rien de plus. 37. Ouh. Deux fois l'arme qui a beaucoup d'attaque de base. Passé. À un moment, on a une Noël. Allez, une dernière multi. Le 5 étoiles. Voilà, le 5 étoiles. Allez. Et avec ce 5 étoiles, dans cette multi, on a l'arme de Deia. Allez, grand couturier se fait marcher dessus par Deia. Il se prend des patates. Des patates non-stop. Voilà. Ok. C'est bon, on a imaginé. Et... Je suis curieux, sur un compte comme ça, les armes, ça ressemble à quoi? Il y a des trucs qui sont pas récupérés. Hein. Il est même pas dans l'excès. On aurait pu croire qu'il y avait tout R5. Même pas. C'est pas loin de mon compte. Hein. Il a même moins d'armes 5 étoiles que moi. Hein. Bon bah, vous allez, on continue. Hein. Ah, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Passer... Oh! Éclair des impasses qui n'était pas du tout sur ce compte. On ne va pas aller jusqu'à la fin du chemin divin. On ne va pas aller jusqu'à la pitié. On ne va pas aller jusqu'à la fin du chemin divin pour avoir cette arme quand même. Je veux bien. Ce jeu, en fait, ce jeu ne récompense pas les whales. Je vous jure. Les whales ne sont pas récompensés. Alors regardez, il y avait plus de 50... Je sais plus, 500 000 primogèmes. Et on perd tous les 50-50. C'est quoi ce bordel? Ok, le 5 étoiles. Je crois que c'était pas si loin que ça. L'arme de Deia. On arrête de nos bêtises. Finalement, la technique de s'imaginer être bully par Deia, ça ne marche pas. On arrête. L'âme froide. Avec de la perception. Ok. L'arme.
Mais quand je vous dis que ce jeu ne récompense pas les whales, eh, ils sont vraiment pas reconnaissants envers ceux qui leur donnent de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah allez... Je le sens mal. Je le sens mal. L'objectif était d'avoir des AC6, hein. Si on perd deux, si on perd 1-50-50, on oublie la C6. Sur la bannière de perso, hein. Prends l'arme de Sino, mais... Bien sûr qu'on prend toujours l'arme de Sino. Mais on veut économiser. C'est pas parce qu'on a plus de 400 000 primo qu'on va économiser. Qu'on va pas économiser, je veux dire. On va quand même tenter de dépenser le moins possible. Confirmé. Finalement, tout fond sur les armes que des hards. Eh, c'est pour ça que... Honkai Sara, il est mieux que Genshin Impact. Parce qu'il y a qu'une seule arme mise en avant. À la limite, bon, si je perdais mon 50-50, bah, je faisais une petite plus et c'est bon, c'était terminé. Ok, bon, passé, on sait que c'est l'arme. Vraiment, hein, on arrête le suspense. Maintenant, le vrai jeu commence. Mesdames et messieurs, c'est l'objectif d'Eya C6. Si jamais on perd un 50-50, c'est terminé. On arrête. Mais si on gagne tous les 50-50... Voilà. Elle sera Stonks. Elle sera Stonks. Passé. La flûte, est-ce qu'on a besoin d'une flûte? Non. Personne n'a besoin d'une flûte. Moi, je ne sais pas jouer d'instrument. Hop. Barbara, eh, t'es mignonne, mais c'est bon. On en a marre. Ouais, tu pourras nous raise, mais on veut des yads. Hein? Ok. Passé. Kolei. Kolei, retourne jouer à la poupée. On s'en fiche de toi. On veut la vraie femme d'Eya. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se liguent tous contre moi pour pas que j'ai un 5 étoiles. Retournez jouer à la poupée, c'est pas possible. La violence dans les termes. Allez, passez. Il y a encore une flûte. Mais vous avez cru que j'étais musicien? Non. Conclusion, ne devenez pas whale, vous aurez pas de luck. Passez. Oh bordel, Kolei. Là, c'est la multi du 5 étoiles. Il faut qu'on gagne le 50-50. Il faut qu'on aille le plus loin possible. Au moins avoir la première constelle de Deya qui est vraiment bien. Comme ça, elle fait plus de dégâts. Et c'est ce qu'on veut. Allez, Pennette. Le guide de magie. Mais elle fait pas de magie. Elle fait pas de magie, Deya. Elle met des patates. C'est pas un bon signe. Histoire de chasseur de dragons. Elle a la force de chasser les dragons. Peut-être un signe. Allez, la C1. Au moins la C1. Au moins la C1. Oh, ben j'ai à dire. Allez, la C1. La C1. La C1. Oh, Pampi Noir. Allez, voilà. On a plein de Deya, please. Dans le chat pour avoir Deya là. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Allez, au moins on a une constelle d'assuré. Mais bon, on peut perdre le défi maintenant. Ok, allez, back to back, back to back. On va l'avoir la C6. On va perdre 0,50-50. 0,50-50. Oh, Barbara. Barbara, retourne chanter là. Waouh, bordel. 4, passé. Oui, 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 arc rituel, c'est ça. 5. Oh. Net, on s'en fiche. 6. Une Sayu. Allez, 7. Ok. Allez, deuxième 50-50 de gagné. Deuxième 50-50 de gagné. Un max de Barba Prey dans le chat. Un max de Deya, please. Let's go. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, Deya. Deya, 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 Deya. Oh, elle m'a fait si peur. Kolei. Non. La Deya, let's go! Let's go! C2, chat. J'aurai plus de voix après. C2. C2. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On est sur une bonne lancée. On s'est fait shaft sur la bannière d'armes. Mais on va aller encore plus vite. On va aller encore plus vite. De multi. Bon, par contre, sur les petits, non. Mais on va choper tous ces 50-50. Choper tous ces 50-50 par le callback. Et... on va choper des Deya. Bon, par contre, stop. Stop. J'en ai marre. Mais Kolei, c'est 70. Mais c'est quoi ça? Il y en a tellement. Kolei a guidé Deya. Ah, passé. Allez, le prochain. La prochaine, c'est la bonne. La prochaine, c'est la bonne. Passé. Non. La prochaine, c'est la bonne. Ok. On enchaîne. On doit enchaîner. Un maximum de Barba Prey dans le chat. C'est la C3 qui est en jeu ici. Si on perd le 50-50, tout s'arrête. 3, 4, 5. Arrête de me faire peur, Kolei. 6, 7. Kolei. J'en ai marre de te voir. Allez, j'ai trop la pression. Chat, j'ai trop la pression. Non. Voilà, on a eu les payistes.
À demain. Allez, un dernier 50-50, CDIA. Ma... Ah, CDIA. C'est le DIA mal. Bon, ok. Grand couturier et joueur. C'est comme si c'était DIA. C'est un épéiste à deux mains pyro de la bannière perma. Ok. Il nous accorde un 50-50 supplémentaire. Bon, du coup, ça fait DIA C3 quand même. Si tu fermes les yeux, tu peux voir DIA. Exact. C'est des attaques pyro lourdes, tout ça. 3, 4. Oh, Barbara. Oh, Barbara. Ça, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime pas ça. Pourquoi je... Allez, Collei, tu me saoules. Collei, je n'ai plus envie de te voir. Je n'en peux plus. Une Sama ! Qui est déjà C6. Ça me dégoûte. Voilà, bon, ça, on sait que c'est DIA. Si on fait la même technique que l'autre fois, on passe, on en a deux. Bon, on en a une. Elle est C3. Le 50-50, enfin, on l'était en garantie, je veux dire. Là, ce sera vraiment la der des der, si jamais on perd le 50-50. Jamais on aura une early, hein. Jamais on aura un back-to-back. Comment ça, Chongyun n'est pas C6? Qu'est-ce qui se passe? On est à combien? Deux multi? Je crois. Je sais même plus. J'ai été distrait. Vous m'avez distrait, chat. Oh, encore que... Eh, Collei, elle me dégoûte tellement. J'en ai marre. J'en ai tellement marre de la voir dans mes multi. Passer. Oh, au secours. Oh, au secours. On n'aura pas de early, hein. Voilà, c'est ça que je veux voir. Plein de Deya, please, dans le chat, là. Regardez-moi toutes ces petites Deya qui dansent. Elles sont heureuses. Oui, le kit de ce personnage n'a pas été respecté, mais au moins, elle est heureuse. Je vais vous fumer. Allez, hop. C'est bon. Le 50-50, peut-être le dernier. Sauf si on a encore un Diluc, c'est comme si c'était Deya, c'est ça? Peut-être le dernier. C'est pour la C4 de Deya qui lui permet d'obtenir plus d'énergie pendant son ulti. Let's go, 2, 3, 4. Arrêtez de me mettre des personnages 4 étoiles dans les multis de Deya, parce que ça me fait si peur à chaque fois. Je me dis non, c'est pas le splash art de Deya. Aizu, est-ce que Aizu nous porte bonheur? Non! Pour Deya. Pour Deya. Merci Miss Yura pour le sub. Malheureusement, ça nous aura pas fait gagner le 50-50. Aïe. Du coup, on aura perdu. Alors, officiellement, on aura perdu à Deya C2. Mais officieusement, voilà, C3. On a perdu à Deya C3. La Tsundere, tant pis. Eh, au moins, t'as les deux premières consoles qui, pour moi, sont les plus importantes. Au moins, elle est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est où? Elle est où, ma Deya, là? Enfin, pas ma Deya. La Deya de Grand Couturier, plutôt. Elle est là. Constellation 3. Des boosts de dégâts sur ses compétences. Le rallongement de la durée. Et plus de dégâts avec Lul. Let's go. On prend. On peut lui mettre son arme. Elle est là. Mais ça me fume, en effet, genre tes armes 5 étoiles ne sont même pas up. Il y en a tellement qui sont niveau 1. Mais même tes armes 4 étoiles ne sont même pas up. Ce compte est particulier. Ce compte, c'est 6. Ah, c'est 0. C'est 3. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 0. C'est 2. Est-ce que tu te fais ce genre de défi, genre à chaque nouveau personnage, on tente, la C6, selon si tu perds un 50-50, j'ai la flemme. Let's go, hein. Bon, du coup, merci de m'avoir laissé invoquer sur ton compte, en tout cas, c'était sympa. C'était un défi, on va dire, original, de tenter d'avoir le plus gagné, le plus de 50-50, et du coup, je te repasse ton compte. Et maintenant, nous sommes sur le compte de Sanguinoran. Sanguinoran, pour invoquer Deya plus son arme, et si on est chanceux, s'il nous reste des vœux, on tentera la C1. Après, on a 180 vœux. Bon, on a déjà réussi à faire des exploits par le passé, c'est possible, mais il faut y aller. On est en 50-50 et on est à 63 de pitié. Donc, probablement que si je fais une multi, on aura le 5 étoiles. Et probablement que voilà, Sanguinoran aime se faire marcher dessus par Deya, ce qui veut dire que nous allons gagner ce 50-50 ici devant nos yeux ébahis. Voilà, chat. Oh oui. Sanguinoran qui dit dans le chat, oh oui. Ouais. Je veux bien me faire marcher dessus par Deya. Et voilà, ça paye. Ah, l'homme fast, elle est pote. On était avancé dans la pitié, on était à 63. On l'a eu à 70 invoques, ce qui est pas mal. Donc ça, c'est gagné. 171 vœux pour avoir l'arme, plus peut-être une autre Deya. On va tenter, on a la balise, c'est parti. J'ai pas vérifié la multi ici, enfin la pitié.
On a fait une multi. Hey, let's go. Tracker des impasses, c'est ok comme arme. On est à 11 vœux. Nous sommes bien à 11 de pity, puisque on était à 1 avant, cette multi. Donc là, on va être à 21. Passé. Oh, une Pharouzane. Let's go. Let's go. Allez, 30. 3. 31. Lady. Lady Pharouzane. Pharouzensei. Oh. What? Bon, par contre, là, on est à 50, 40 ou 50, je sais plus. Eh, on n'est pas... On n'est pas allé loin, hein. On n'est pas allé loin. Deux. Ah, s'il vous plaît, l'arme. S'il vous plaît, là. Mais let's go! Mais quand je vous disais... Quand je vous disais que... On va faire l'exploit, ici. On va faire l'exploit! Déjà en une multi, l'arme en quelques multi. Maintenant, c'est la C1. On a 131 vœux. Même si on perd le 50-50, c'est tentable. Mais on ne va pas perdre le 50-50. Non, on va pas perdre le 50-50. Qui pourrait perdre un 50-50 sur Deia? Personne. Ça ne m'est jamais arrivé. Une Dory, pourquoi pas? Une Dory, pourquoi pas? Éventuellement, on y va. Deux, mais des Barbara. Des Barbara. Eh, hey, regardez, il y a cette arme qui est pas si bien que ça sur Deia. Hein. L'épée horloge, c'est pas dingue. Hein. C'est pas parce que ça donne des PV qu'elle scale un petit peu sur les PV qu'il faut la jouer dessus. Non, donc, du coup, Ketching est en train d'écrire. Wow. Donc ça peut toujours... Eh, hey, une courcelle de Fischl. Ça peut toujours être un petit tease qu'on aura Deia à la fin, puisqu'on a une arme PV, épée à deux mains, elle scale sur les PV. Mais j'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen. La Kuomaru R1 est plus nulle que l'arme proto. Quelle arme proto? Ça dépend laquelle. Tu parles... la Kuomaru est meilleure. La Kuomaru est meilleure pour faire des dégâts avec lui. On passe, on s'en fiche de ça. Let's go, plurescence. Eh, hey, plurescence, c'est bon signe. C'est une bonne arme pour Deia. Bourgeonnement et ou brûlure. Par contre, pour les Bennett, stop. Vous êtes C6, les Bennett, on arrête. Par contre, on va vraiment loin dans l'appétit. Hein. L'arme de Deia est TC. L'arme de Deia est... Je sais plus. Dégâts crit. Non, taux critique, qu'est-ce que je raconte. Et elle passe sur Beidou, oui. Dernière multi. Là, c'est bon. On va pas passer. Let's go! Let's go! Elle est là. Maintenant, c'est la C2. La C2 dans la même ulti. La C2 dans la même ulti, c'est possible. Tout est possible, chat. Let's go! Bon, au moins, t'aurais eu la C65 de Barbara. Elle est là. Let's go! Eh, au moins, elle balancera des patates avec son ulti et sa compétence grâce à cette constellation. C'est deux peut-être... Ah non, 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 non. Ah, on garde. Je pense que la C2... Là, c'est sympa, mais... Ah. Si tu veux bien tenter la C2, on est bien parti. Eh, Sanguy Laurent, il est joueur. Ok, ok, on y va. Il est joueur, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de chance sur le compte. Ah, bah, mais... À un moment, la chance, on en a plus, hein. Il y a le retour de karma, t'es chanceux, et après, c'est le shaft. Alors, je veux bien continuer jusqu'au bout. Peut-être avoir du early. Peut-être avoir du early. Après, on a des invoques encore là-bas. Peut-être du early. Ouais. Ouais, pas de early. Ok, les astrions, c'est parti. Je vais en prendre que 10. Moi, je prends que 10 astrions, parce que on l'aura dans la prochaine multi. Alors, à quoi bon? J'aurais pu en prendre 9, d'ailleurs. Ok, là, je vais en prendre 9. Oui, bon, boutique. Voilà, 9, ça nous fait une multi. Et là, c'est la multi de la constellation. Pourquoi? On est à plus de 70, là. À tout moment, on fait une invoque et c'est bon. Ah, il te reste ça, d'ailleurs. T'as pris les vœux de la quête, hein. On avait vu, je me souviens plus. On les avait pris, ouais. Bon, il nous reste des astrions, hein. On utilise les deux là, hein. On va pas cesser à battre, on a deux vœux, on va faire une single, c'est Deia. Juste là. On passe. Passer. Ah non, 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 non. Une ici. Frère! Non, mais on fait les invoques de perma? On fait les invoques perma? Pour avoir des astrions? T'as fait... J'attends qu'elle soit dedans. Ah! Bien vu. Attends. On va faire l'essai de Deia pour avoir 20 primo. Voilà, parfait. D'ailleurs, toujours plus. Voilà, regardez. 20 primo gemmes.
Et vous savez ce qu'on peut faire avec ces 20 primogèmes? On peut avoir... Oula, j'ai failli invoquer sur la bannière perma. 175 primogèmes. Et on peut faire un vœu. Et ce sera le vœu qui nous donnera Deya après avoir testé... Mais on est si près en plus pour les perloges. On était si près du but. Si près du but, chat. Il nous manque un astrion. J'en ai marre. Non, il veut pas... On garde les vœux bleus pour quand elle sera sur la perma. Oh, mais voilà. Ouais, pas dû le dire, plus tôt. Ah oui, d'accord, on faisait les rats pour rien. Non, on fait une multi, c'est bon. Ouais, voilà, et il fallait juste faire ça. Allez, une multi. En vrai, je suis même tenté de faire juste un vœu, puisque... On est... Je suis sûr qu'on est sur le point de l'avoir. Mais il nous suffisait d'un vœu. Il nous suffisait d'un vœu. Let's go. Let's go. On a converti des primos pour ça, mais let's go. On gagne tout. Ça, c'est la puissance des rats, chat. C'est parce qu'on a essayé de gratter chaque primogème pour l'avoir. Bon, c'était pas nécessaire, il y avait 15 000, voilà. Mais c'est bon, je l'ai assuré. Par contre, on s'arrête là, on est d'accord. Allez, merci de m'avoir laissé invoquer sur ton compte. Je te le repasse et profite bien de ta délire. Et maintenant, c'est au tour de Nev pour invoquer... Deya, ainsi que son arme, Deya C0. Nous avons beaucoup d'invocations, 759. Et nous sommes à 9 de pitié sur les deux bannières. Que ce soit sur la bannière de personnage ou bannière d'arme. Donc, je vous propose que on va vite. Ah, elle était bonne celle-là. Ah, elle était bonne. J'ai failli être choqué, mais bon, il y avait la chichi qui arrivait quoi. Bon, au moins la chichi elle arrivait tôt. Il m'a dit je prends tout sauf Ketching et Jean. Bon, eh, on va pas se plaindre. Maintenant on a la garantie. Donc il faut juste aller vite. La chichi garantie, on t'aime. Allez, 2 multi, 3 multi, 4 multi. Oh mince. 5 multi, 6 multi. Oh! Non, même pas art de pitié, hein! Même pas de pitié! Let's go! C'est ça qu'on veut! Bon, après, ça reste loin, mais c'est pas une early, hein! Mais on aime bien voir des multi, enfin, on aime bien voir des persos qui pop à 6 multi au lieu de. Peut-être 8. Allez, let's go! Nice! On a notre DA, et maintenant c'est la bannière d'armes. Avec la balise, nous sommes à 9, comme je l'ai dit. Et du coup, c'est parti, on fait la dinguerie comme avant. Enfin, la dinguerie comme avant. Ça aurait pu être marrant qu'on fasse une multi et que, comme par hasard, le premier truc qui nous tombe sur la tête, ce soit Aquila Pavonia, ou je ne sais quoi. Le splash art de Deya est vraiment beau. Passé. Let's go. Quoi? Ah, pas d'early, hein. Ah, non. Ah, non. 4, le Thomas. Ah, pourquoi pas. 5. Par contre, Sinnoh n'a reçu aucun amour aujourd'hui. C'est vrai que personne n'a voulu invoquer Sinnoh, bizarrement. Mais en fait, Deya, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas la skip, puisque c'est vrai qu'en 50-50, l'opportunité... Ah, c'est une Candace. L'opportunité d'avoir une Deya, déjà, il y aurait plus de bannière Deya. Et si tu attends de perdre un 50-50 pour l'avoir, c'est chaud. Donc, je pense que la plupart voulaient se garantir au moins Deya. Et après, bon. En vrai, ça peut être un bon... Pour nous, non, mais un business model pour Oyoverse, de se dire, oh, on va sortir des personnages perma et ça va inciter les gens à mettre de l'argent puisqu'ils savent que ça va être chaud de les choper plus tard. Ah. Bon, on a eu l'appel. Je ne sais pas si c'est ta première pelle. Ah si, mais il me semble que t'as Sinnoh, non? Ouais, t'as déjà Sinnoh et son arme. Mais c'était une... C'est une constelle de Candace. Autant Candace n'est pas sur cette bannière, ce qui n'a aucune logique. Elle est sur... Genre, elle connaît... elle côtoie Deya, c'est même sa petite amie. Elles sortent ensemble, elles font des trucs. Et Sinnoh, bon, il connaît Candace. Et on voit Candace dans le trailer de Deya. Donc comment ça se fait que ce personnage n'est pas sur la bannière? Waouh. Oh non, la pitié. Oh, 4. Skill issue. Ouais, c'est des problèmes de skill par ici. Oh. Là, c'est la bonne. Là, c'est le 5 étoiles. Là, c'est une win.
C'est la dernière win de la journée. C'est la dernière multi. On n'invoque plus après. Parce que dedans, on a la pelle améliorée. C'est pas la pelle de Sinnoh, non. La petite pelle toute fine de... Non. On veut la grosse pelle de Deya. Casse-toi. On veut la grosse pelle de Deya. En vrai, ça ressemble plus à une pelle, même si c'est le même design. Aïe aïe aïe, ça fait beaucoup. Hein. Elle est où l'autre là? Eh bah c'est du R3, let's go! Let's go le R3. Bon bah au moins on est en garantie. 569. Frère, une multi, deux multi, fallait pas dire pelle. Quand on dit la pelle, ça appelle la pelle. On appelle la pelle. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire ça. Un Zinq, c'est quoi toutes ces armes 5 stars? T'inquiète, t'inquiète. Passé. Mon ref! On avait combien de vœux au début là? Les bannières d'armes, s'il te plaît. Oh! Ah bah tu avais déjà C6. Ok, d'accord. Déjà C6, la petite Yao Yao. Et là on a plus de suspense. Plus de suspense. À part sur le nombre d'invocations qu'on fait. Eh! Qui sait? Qui sait? Peut-être que. On aura deux fois l'arme de Deya ici. On l'a une fois. Attention! La multi n'est pas terminée. La multi n'est pas terminée. Bam. 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 Aou. Bah, de toute façon, on a eu notre arme. On a eu notre arme. Pas besoin de plus. Ah, pas besoin de plus. Ah, non, 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 non. Terminé. Par contre, on avait 759 vœux. Ça fait 250 vœux. Pour avoir les 3 armes plus Deya. Bon. Et Chichi. Et Chichi, j'arrive 5 étoiles et merveilleux. Ah, t'inquiète. T'inquiète. Elle est où, Chichi? Elle est c'est combien? Constellation. Mais non! C'est bientôt la C6, les potes. Bientôt la C6, Chichi. Oh, bon. Et voilà. Ceci va donc conclure cette vidéo invocation pour Deya. Je dirais que c'était pas mal. Je dirais que c'était pas mal. On a eu quelques petites dingueries. Sauf pour moi. Mais ça, c'était dans une autre vidéo. C'était terrible. Du coup, sur YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et à vous abonner pour être au courant que je sortirai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur ma chaîne. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube. Ah, c'est vrai, il pouvait aussi passer sur Twitch. C'est vrai, c'est vrai.